Bonjour, je m'appelle Églantine Rayé, j'ai 17 ans, j'habite à Neuvioulme, un tout petit village dans l'Orne. Actuellement, je suis au centre sportif de Normandie, en internat au Pôle Espoir avec lequel je m'entraîne. On dit souvent de moi que je suis mature, persévérante et bienveillante. Je pratique le cyclisme depuis 5 ans. Ce que j'aime dans ce sport, c'est l'adrénaline, le dépassement de soi qui m'apporte et le fait que ce soit un sport en pleine nature, qui me permet de voir des paysages et de voyager. Ce que je préfère, c'est la route, les circuits grimpants et difficiles. Cette année, j'ai fait 2 podiums en Coupe du Monde. Je fais 8e des championnats du monde route et 7e du contre-la-montre. Je fais 3e des championnats d'Europe route et 6e du contre-la-montre. Mais je suis également double championne de France route et contre-la-montre. Pour 2022, je vis une progression technique pour ne plus être frustrée comme à l'arrivée des championnats du monde. Pour l'année prochaine, je souhaite retourner en équipe de France, continuer d'apprendre, progresser et travailler en contre-la-montre. J'aimerais aussi prendre confiance en moi, intégrer la fac de psychologie de Chambéry pour concilier études supérieures et parcours de haut niveau. Je recherche donc l'aide d'une entreprise partageant mes valeurs et voulant soutenir le cyclisme féminin ainsi que m'accompagner dans mon projet sportif, dans mes déplacements et dans l'achat de nouveaux matériels qui contribuera à ma progression sportive à l'international. Alors, pour 2022, vous me suivez?